Incroyable. En direct de Casablanca. Ouais. En direct du lycée Lyautey. Seriez un immigré de plus longue date, Éric Zemmour? Ah non, mais moi, je parle pas de moi. Moi, je suis pas exactement, si vous voulez parler de moi, je suis pas exactement un immigré. Moi, je suis un peu comme un Martiniquais ou un Alsacien. C'est-à-dire que c'est la France qui est venue chez moi et qui m'a conquis. Et je la bénis, moi, de m'avoir colonisé. Parce que moi, je sais que la France, ça m'a apporté la liberté et vous, la l'Algérien. L'émancipation. L'Algérie n'existe pas, c'est une invention de la France, ma chère Léa. C'était a toujours été une terre coloniale. Non, mais je plaisante pas du tout. Même le nom Algérie, c'est inné sous la plume de la France. Bouffe, et c'est pas indigeste, c'est indigeste pour vous, parce que je peux comprendre que vous avez une crise identitaire majeure, vous, Éric Zemmour. Bien sûr. Non, mais que vous le vouliez ou non, vous avez une tête d'arabe. Non, mais que vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe. Vous ressemblez à mon oncle Mahfoud au Maroc, vous avez une tête d'arabe. Physiquement, votre origine est trahie. Vous appelez comment, Éric Zemmour? C'est quoi votre nom de famille? Zemmour. Ça veut dire quoi, Zemmour? Olivier. En quoi? En berbère. Voilà, absolument.